retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Ouais, mon bamba, quelqu'un va mourir des familles ici là. Ça, préparez les enfants, s'il ne peut pas. Joanna! Joanna! Tu baptises une soirée avec qui? Bon, c'est comment encore? C'est quelle façon de vivre ça? Je suis ici depuis le matin, tu n'as même pas encore préparé. Hein? C'est comment? Même la bière, vous n'avez pas commandé rien. Rien. Ouais. Même si elle va arriver là, on va dire que non, on va prendre le pas les gens. C'est quelle façon ça? C'est quoi ça quand tu es ici là? S'il y a la boisson, tu bois la boîtier. C'est pour ça que moi, je n'achète pas la boisson. En plus, il y a les actus là sur Facebook. Moi, je viens la voir. Non, tu es ici là pour regarder les actus sur Facebook. Hein? Hein? Tu as commandé depuis quand? Hein? Tu t'achètes alors quoi? En attendant, les gens qui viennent sur l'île de la parole, c'est que tu fais. Tu vas en face là, tu me prends. Prends l'argent dans la caisse. Tu me prends une bière là-bas. Tu me prends une bière, bien glacée. Mais je n'aime pas l'attitude là. Regarde, normalement quand tu te lèves le matin, tu dois te rassurer que tout a été fait la veille. Ce n'est pas bien. Voilà maintenant, aucun repas n'est prêt. Rien n'est prêt. Mais toi, j'ai mis la bière, tu es sur le téléphone. On t'appelle même à la fin du mois par rapport à quoi? Je pensais n'est pas encore le travail, mais quand j'aurai le travail, les choses vont un peu changer. Non, c'est comme tu as vu que je suis ton frère, tu ne peux pas savoir que je suis en même temps ton patron. Il dit là, après argent, il n'y a pas de famille. Il dit que quand on est ici, on ne se connaît pas. Je suis ton patron. Moi, je ne suis pas le genre de patron blanc là que non, je vais te dire, je suis ton patron. C'est vrai que la situation ne m'appartient pas. Mais quand le Big Boss n'est pas là, Nani. Je peux acheter la boisson parce que alors tu penses à glacer. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas les comportements comme ça. Pas parler que non, on ne veut pas évoluer. On te met quelque part, passe les commandes la veille pour que le lendemain tout le monde puisse être à l'aise. C'est maintenant que tu viens faire le poisson. Une personne ne peut manger. Tu m'embrasses, une menteuse. J'ai encore fait quoi? On n'avait pas prévu quelque chose. Ouais. On n'avait pas une sortie de prévu. Tu sais que depuis que mon grand frère a ouvert son cul là, il veut se marier que je sois là-bas chaque jour. Et tu n'as même pas pris la peine de me faire signe que non, je ne serais pas disponible. C'est vrai, quand même. Je suis désolée, pardon. Programme-moi encore, pardon. Je sais que tu as toujours les bons programmes. Ok, tu parles. Je suis en train d'arriver là, mon frère m'a envoyé la payer la boisson pour lui. Comme il n'y a pas encore, les gens n'ont pas encore de vie. Oh bah. Donc, même quand on ouvre notre bar, notre boutique, même. Parce que les gars que j'ai laissés là-bas derrière, puis tu arrives là-bas, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Ce qu'ils m'ont fait là, non. On te dit même pas. Comment ils font le jansan, hein? Comment ils sont l'air de passer, ils m'ont appelé, je ne suis pas parti. Comme si la gare est obligée ici dehors. Ok, les gars que je connais là. Les gars que tu connais. Non, ils ne peuvent ils sont pas là-bas. Ils ne peuvent pas me faire les choses qu'ils font sur les quartiers. Je vais les insulter, non. Ce qu'ils veulent faire, tu connais comme mon grand frère d'abord là, non. Il va venir les lécher ici, la fouetter même avec la machette. D'abord, fais confiance à ton grand frère. Donc, si les choses t'arrivent, là, tu vas te marier là-bas. Pendant que tu n'es pas à la maison, il te laisse. Assia, pour les insultes, d'accord. Voilà, pitié. Ah, que le coin est même des avides comme ça. La baby brune, sinon, c'est la magie. Quand tu vois la fille là, tu peux avoir cette fille et dire qu'elle sera ma femme. Même si elle a grave 25 ans, elle fait la boule d'un même si elle fait l'un d'un je vais ajouter. Tu comprends? Toi, tu as le dos, mon frère. Il n'a pas. Un bon moment, toi, tu as le dos. Oh. Laissez le verbe. Nous sommes ici au quoi chaque jour. J'ai le verbe. On va parler de quoi? Tu vas voir comment moi, je vais t'attendre à ta pour une baby, non? Comme tu vas au Rwanda. Je meurs seulement sur le téléphone. Tu dois tuer la baby là, non? Là, il faut la sainte. Ben, je ne peux pas sainte dans la baby. Un frère Mozo. Tu as les deux pour gérer le terrain. Et dis que moi, il agit. Si là, l'argent, il gêne. En tout cas, moi, ce n'est pas par rapport à vous. Tu vois la baby qui est grave là, non? Ouais. Moi, le baby noir, le black. Comme toi d'abord. Comme moi, oui, le boy Ben, seigneur, c'est moi le boy. Quoi, non, gars. Non, t'inquiète pas. On ne dépense pas trop. On dépense quoi pour faire. C'est la dinos qui va sortir.
C'est le contact, mon frère, c'est le contact. Il y a les métis noirs, hein. Il y a les métis noirs. Moi, j'ai pas avec Choco. Moi, noir, ça donne métis. Eh ben, mais y'a un mot. Tu vas nier, quand il va récam, non. Ah, donc, bouge avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand il va récam, tu vas y'a un mot. Moi, ne bouge pas. Tu vois, les métis, c'est pas assez. C'est assez. D'accord, tu gagnes. Ok, c'est pas où nous parler. C'est le bon localisme avec. Tu es représenté d'abord. D'abord, le frère Bozor. Même pas la garde. C'est la famille. C'est ça. Ouais, le sang chaud. Bonjour, ma chérie. Ma chérie. Il y a quoi, non? Ma chérie, qu'aime d'abord. Ok, vous voulez quoi? C'est la sorcellerie encore, ne me tente pas. On te gagne poliment, gentiment, courtoisement. Et toi, tu fais quoi? Pas poliment. Ce que tu fais là, c'est ça que j'appelle grave. Mais c'est la grande, non? Maintenant, ne me danse même pas. Attends d'abord, non? Il y a quoi? Parce que tu es une belle fille. Attends d'abord, pas parce que je me vois avec le paya. Tu es une belle fille. Tu ne m'intéresses pas, tu es d'abord trop sale. Je sais quand tu dis quoi, laisse-moi. Ok. Faut me lâcher, moi, n'est pas la sorcellerie. Ah, c'est, il y a un son quoi, donc on te parle. Je tiens vers toi, putain, grand. Attends, je vais faire quoi? Et ne m'amène pas ça, hein. Ne va pas, j'enlève ma fille. Allez, moi, la bêtise là. Je dis que tu n'as pas. Pouf, viens cela. Je vais l'appeler mon grand frère, je n'ai pas la sorcellerie. Tu vas me faire pleurer. Ton grand frère, c'est qui? Tu vas me faire pleurer. Ton grand frère, c'est qui? Ton grand frère, c'est qui? Va payer ton grand frère. Ton grand frère c'est qui? Ton grand frère c'est qui? Tu vas payer mon grand frère, c'est comment t'es fait, tu vas voir. Tu vas payer mon grand frère, c'est comment t'es fait, tu vas voir. Comme ça avec maigre pied ma bongo, bois ta bière. Hein. Jette les chaussures, même à Colo, mon frère, je vais te jette la chaussure. Fais-moi. Ils sont les démons. Ils sont les démons. Bouge avec. On chante avec. Affiche. On était où avec ça? Ton frère, c'est qui, non? Venez couper. Mais mes frères, hein. Mets mes frères. On boit le lit. On va vendre ça maintenant. Tu mets ça, c'est quoi? Yes. On parle de petits là maintenant. Voilà le téléphone, comment j'ai. Est-ce qu'on avait la paix de l'ivoire? Mais toi, tu vois que c'est. Mais c'est le job. C'est facile d'avoir la paix. C'est le job. J'avais un soir pour le bronzage. Ne te touche pas. C'est pas lui. Mon bateau. Mais tu n'as rien. Ça va être combien? Non, le Wessi. Ça va être les photos dans quelques jours qu'on va vendre. C'est 20K. C'est 20K. Tiens, 20K. Oui, c'est pas que. Dans 20K. Bon, dans 20K. Vous me donnez 10. Ouais, donc, vous me donnez 10. Tu n'as pas encore fini de York là. Attends, fini. Ça tourne dans ta cible. Ça tourne comment? 20K, tu as dit que ça tourne dans ta cible. En que temps, il faut même prendre un jour d'ici. La baby là, on a peur de personne. Baby ici. En vrai. C'est la petite soeur d'Eric Le Retour. Ah non, et qui, mon frère, c'est qui? Il est un gata. Non, si c'est la russe d'Eric Le Retour. Si il est un gata, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même là. Ah, c'est un tarif, mon frère. Les frères Bozor règnent. Après Eric Le Retour, c'était nous. Maintenant, on prend le power. Oui, il y en a quand même le pic. Attends, là, avec les petits, là, loin. Les gars, mieux, donne la mon frère. Quand tu as la vie. Les gars, mieux, on bouge quand même. On ne change pas. On est là. On ne bouge pas. Mais on change de poste. C'est le flippage que la fille s'est en train de faire. C'est le flippage. Je suis sûr qu'elle va même pas le col. Tu mets le litre comment? En plus, c'était même glacé. Là, c'est le flippage. Moi, j'ai ça, même une place. Toute la famille. Les Bozor sont bons. Tu fais ça comment? Tu as fumé tout un paquet de cigarettes seul. En tout cas, le CS, mon frère, seul. Là-bas, au moins, c'est une cartouche de Bozor. Tu ignores rien. On tourne ça là, hey, avec la bouche, même bien. On achète les. En tout cas, on est là. Les Bozor de 20K. Hein? C'est quoi? Il y a quoi que tu chioles, tu mieux comme une petite fille, c'est quoi? C'était avant ce qui m'est arrivé. Tu vois, tu es là parti perdre l'argent. Hein? Quoi? Ah, mais dis-moi la jeune dans la caisse! Tu as prévenu de combien? Que tu as parti perdre? J'ai pris 10 000 euros. Comme tu savais que on va pas m'embrousser, je voulais la monnaie pour soi, m'embrousser dans les silos. Je n'ai pas perdu d'argent. Le plus, c'est que les gars, ce sont les frères pour ça, c'est quoi? Ils ont pris la pierre, ils ont pris la pierre que j'avais achetée. Ils m'ont agressé, non, ils étaient. Qu'est-ce que c'est là? La bière que j'attends depuis là, quelqu'un a pris ça. Oui, ils
sais qu'ils ont rien fait, ils ont pas tout. Je t'en fais le passé, ils ont vu ma gueule, ils m'ont gagné. Là, je dis que là, vous voyez, là, je suis la scène et oh, tu n'as pas voulu comme moi. Tu n'as pas voulu comme moi, ils m'ont brutalisé là-bas, c'est que j'ai fait là-bas pour m'échapper de là, j'ai fait des facile. Et que c'est pas que tu tues ou tu coupes le pied, tu fais quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on t'envoie, va payer une bière, tu vas chercher les problèmes, tu viens me dire maintenant que tu dois partir, faire les problèmes, je sors de prison, tu veux qu'il rentre encore en prison, pourquoi tu n'aimes pas quand moi je suis libre? Hein? Ouais, quand pourquoi tu es comme ça? Je veux boire une bière, ça devient un problème. Quand je vais t'expliquer quelque chose. Non, ne me lève pas, quand je prends d'abord le travail dans le stade, si c'est passé, je ne veux plus les problèmes. Hein? Tu voudrais comment passer une journée pour les qui c'est difficile? Tout si je n'ai rien fait, ils vont se m'agresser, c'est donc maintenant leur travail. Je sais pas où c'est parce que tu es rentré qu'ils ont eu aussi les clients. Tu vois qu'on peut t'agresser en belle journée si tu n'as rien fait. Sûrement tu as fait des choses, prends là. Je n'ai rien fait, même mon téléphone en a pris. Ils ont pris mon téléphone. Même mon téléphone. Attends, là ça vient sur nous. Ils ont pris ma bière. J'ai failli glisser, je n'ai pas du tout glisser. Maintenant ils ont pris ton téléphone. Téléphone. Y'a quelqu'un qui est exactement là. Quand tu passes au bosquet, la route, dès que tu sors du bar, y'a un bosquet là que tu traverses, que ce soit assis là-bas ou bleu. Non, les gars sont directement assis. Oui, c'est y'a le secteur là-bas. Chaque jour que je passe là-bas, c'est vraiment les poubles, ils t'insultent là-bas. Je vais te dire une chose, je vais partir là-bas. Si j'arrive là-bas, la version que tu m'as donnée ici n'est pas exacte. Que tu veux emballer et mon argent et ma bière. Ouais. Quand je vais rentrer ici. Tu vas voir le même pantalon. Tu vois comment j'aime les pantalons serrés là. Ouais. Imagine si tu vas voir le même pantalon. Ah, papa, non, pas de mon téléphone. Tu vas voir comment il y a soupé, il s'est mis au choco. À peine j'ai le téléphone après. Qui t'a mis le téléphone là? Je vais te dire la vérité, c'est ma bière qui te souffre. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas. Vous cherchez seulement les problèmes. Je sors de Konagi comme ça, mon frère. Tu vas passer une nuit en prison. Hein? Tu vas passer une nuit en prison. Mon frère! À peine j'arrive, je me dis que quand je veux me reposer, oh, il faudrait encore faire des problèmes. J'ai décidé de changer. Tu me suis non? J'ai décidé de changer. Fais seulement pour la dernière fois. C'est aussi comme ça que je vais partir en prison pour la dernière fois. Après, vous allez mourir. Vous cherchez des problèmes. On voit toujours quand il y a des problèmes. On ne voit pas quand. Je ne provoque jamais. C'est toujours vous qui ramenez les conneries à côté de moi. Mon téléphone, j'ai fait 6 mois ici sans téléphone. Après, il a fait 1 mois, j'ai le téléphone. Sans fil. Tu sors encore comme tu t'arrêtes là. Ouais, tu fais le parti là-bas. Non, fatigué, non, t'inquiète pas. Tu vas voir, non. Je vais gérer. Pardon, j'ai reçu mon téléphone. Pardon. Il avait ton. Tu as la chance. Le là. Hein? On va tout le monde. Comme vous êtes dit là, voilà, bon, Kouloukou, mon frère, ça nous dépasse à voir. Ça c'est quoi? Et voilà, c'est une belle chose. C'est la magie, non? On veut chop ça, gars. 350. On veut chop le Wessi. Ah, que t'as, non? Si on ne vend pas ça, nous on back avec, nous on va choquer le Wessi. Mais les gars, moi je voulais dire qu'on change. Oh! Venez! Revenez-vous tous! Revenez-vous tous! Asseyez-vous encore. Même chose. Asseyez-vous. Si quelqu'un n'est pas. Personne parmi vous n'a pu le croire, sa grand-mère qui est morte depuis 500 ans, je ne sais pas combien. Tentez d'avoir l'intention de fuir. Petit frère, c'est ce que tu as laissé de lui. Hein? Non, grand frère. C'est pas ton petit frère. C'est pas ton frère ici. C'est donc vous allez rester créer un clan de banditisme ici au quartier. Non, grand frère, non, ça veut dire comme tu es en prison, non? Que nous aussi, on va un peu rester suivi comme toi. Restez suivi quoi? Suivi quoi? Tu es malin en tête? Hein? Ça c'est un métier? On essaie juste en train de protéger le secteur. Vous protégez on sait que. On sait que tu es en prison. Si on savait que tu es sorti, on allait même te rendre visite. C'est ça que je sais que ça, non? Je vous demande que. Donc quand je suis allé en prison, pour vous c'était une bonne initiative. Hein? Je vais vous montrer au bon chemin. Tu es fou là de tête? Faire la prison c'est un bon chemin. Vous dites quoi? Quand vous venez en plein 13 heures sous le soleil, carrément, vous agressez tout le monde qui passe. On a agressé personne. On a agressé personne. J'ai juste. J'ai demandé que vous ignorez que ce malotis. Je vous ai dit. Vous ignorez. Et vous avez bien dit que c'est ça. Non, on s'en va. 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 On
Mais ne me faites pas revenir sous les mauvais sentiments. Vous comprenez? Je ne veux plus jamais vous voir. Avoir les intentions de banditisme comme ça là. Ça veut dire que vous voyez ici. Quand vous voyez un casse-moi la tête de certaines personnes, hein, ce sont les comportements comme ça. Le genre de comportement que vous avez là. Vous me suivez bien? Quand je suis allé en prison, j'ai décidé que je vais pouvoir se mettre. Si jamais ça se reproduit, quand quelqu'un me dit que à minuit, une heure, je ne sais pas quelle heure, il a été inquiété. Je le vois. Quand je ne vous croise plus, jamais. Et vous avez intérêt. Hein, vous tous là. Vous me rendez visite. Samedi là, venez chez moi, vous me rendez visite. Chacun parmi vous vit avec quelque chose comme je veux laisser. Vous venez me faire un don chez moi. Parce que normalement, quand elle venait comme ça, j'ai cassé le bras. L'argent que tu devais porter avec l'hôpital, venez me voir avec. Vous suivez bien? Oui. Donc foutez le camp. Foutez le camp. On voit les jeunes comme ça, on se dit qu'ils veulent faire quelque chose. Comme ça, on se dit qu'ils veulent faire quelque chose de la vie. Ils viennent agresser. Des forêts, mais non que 5 000, les agressions, les 5 000, comment les enfants. Maintenant, il me faut encore les payer notre billet. Dirigeons directement vers Nelly, l'actrice bilingue. Voilà, Nelly, comment s'est passé ton premier épisode? It was very interesting. I got to learn a lot how to do some kind of thing that I've never done before. And yes, the acting was quite good. I never knew that I could do so, so I'm still learning anyway. Voilà, c'était très bon avec elle. Maintenant, on va nous diriger vers celui-là même qui l'a gragué, celui-là même qui n'a pas pu supporter la charge. Alors, c'est comment? Ah, les gars, c'est pas facile. L'affaire qu'on dit là, que tu parles là, tu ne comprends pas, gars. C'est pas facile. Et t'as mis les bâtons dans les roues? Vrai. Jusqu'à j'ancre dans mon langage. Ah, c'est la guerre. On a failli te lyncher. J'ai dit que... Le retour. On t'appelle à retour. Maintenant, tu as fâché, tu es avec. Moi, je ne joue pas, surtout quand ça concerne la famille. Mm-hmm. Je suis un frère bozor. Donc, quand un des miens et en danger. Et en danger, j'agis. D'abord. Donc, ce monsieur-là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est encore qui? Eric Le Retour. Uh-huh. Non. Lui là, moi, je garde dans ce monsieur. On va se prendre. Les gars parlent maintenant parce que c'est fini. C'est parce qu'il y a la matière. On n'a pas prouvé la matière. On n'a pas prouvé ça. On n'était pas au courant. Les gars ne sont pas fiers. Et Miss. C'est comment, Joanna? Ça va, je vais bien. On m'a dit que c'est toi qui as cargué ici là. Ah bon? Moi, je fais tout. Tout ce que je vois, je fais. Comme Jean-Michel Cancan disait là. Tu fais tout. Donc, moi, j'ai fini encore ma pierre. Donc, quand vous voyez la marque de la pierre. Ah, ok, d'accord, donc, pour éviter une publicité bizarre. Je n'ai pas encore trouvé. Ok, confirme. Ok.
Mais où est maintenant votre frère? Mon frère? Oui. Le voici, non? On va le connard là-bas. Hello. Allez, frère, bonjour, viens ici. Connard. C'est de moi dont tu parles. Oui, c'est de toi dont je parle. Mais comment se fait-il que gars, le gars là, il a seulement tapé la machette. Vous avez tu fuis comme si, gars, c'est à cause de toi que j'ai fui. Hein? Non, il faut saisir les vérités. Quand tu crouves plus fort que toi, on dit souvent que un fort ne peut pas t'appeler deux faibles engagés. C'est ça, non? Mm-hmm. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas préparé. Et on avait faim. On n'a pas mangé. Et voilà, parce que si tu ne manges pas, il n'y a pas l'engagement. C'est donc vrai, c'est gars, vrai. C'était vraiment beau aujourd'hui. On s'est amusé. Le premier épisode de bilinguisme vient d'être achevé. Alors retrouvez-nous pour la suite des épisodes. Bye bye. Les gars, on part. Changement.